Donc l'école cyclo-VTT aujourd'hui compte 27 jeunes âgés de 10 à 17 ans, environ 8 qui ont moins de 12 ans. Donc parmi ces 8, il y a 3 jeunes qui vont participer au concours national d'éducation routière à Voiron le 29, 30 et 31 octobre. Donc le but de la séance d'entraînement, c'est de préparer les jeunes aux épreuves du concours d'éducation routière. Donc, dans l'exemple, on suit une ligne, rouler sur une ligne droite. Ce jeu, c'est un jeu d'adresse pour conduire un vélo d'une seule main. Donc avec la chaîne tendue, il ne faut pas qu'elle touche par terre. Ensuite, là, c'est des obstacles. Ici, c'est un freinage d'urgence. Vous voyez, elle pose les deux pieds dans le carré. Là, c'est un passage entre des jalons pour la conduite en ligne droite, en encombrant les guidons, la roulage dans une bordure de trottoir, passage entre les cônes, donc c'est du slalom, les plots sont écartés de 1,25 m, voilà, donc il ne faut pas toucher les plots bien sûr. Ensuite, le rond avec les quilles, donc l'objectif c'est de ne pas faire tomber les quilles bien sûr, hein. Sachant qu'il y a un couloir de 50 cm. Donc, dans l'exemple, là, il n'y a qu'un cercle, mais au concours, il y a deux cercles. En fait, c'est un 8. Ils auront un 8 à parcourir, avec des quilles comme ça. Là, c'est ce qu'on appelle le carré magique. Alors, évidemment, là, sur l'animation, c'est en marche arrière, mais bon, ça se fait en marche avant. Là, c'est le S, donc également les cônes sont espacés de 50 cm. Virage à droite, virage à gauche. Ensuite, on va passer à la bascule, donc la planche à bascule. L'objectif, c'est de passer dessus, hein, bien sûr, voilà. Et pour terminer, le passage Choubar, qui simule une branche sur un sentier. Qu'est-ce que vous allez faire au championnat de France ? On va tout déchirer !